Air verrouillé. Les forces d'Io surgirent d'un portail de sang. Un passage vers son roi. Je sens votre pouvoir, fantôme. Approchez. Montrez-moi son étendue. Je vois la sueur perler sur vos fronts. J'entends vos cœurs qui s'offrent. Sur la colline, l'armée d'Io se préparait pour l'affrontement final. Je vois un Oni. Un samouraï ne meurt jamais. Un Oni. Un Oni. L'armée d'Io fut repoussée quelques instants et le portail fut dégagé. Les fantômes en profitèrent alors pour le détruire. Le portail de sang fut détruit, et avec lui, le lien d'Io avec Tsushima fut anéanti. Mais les fantômes réalisèrent que la voie était désormais ouverte.
il pouvait poursuivre Iyo dans son royaume et arrêter l'Oni Baba une fois pour toutes. Laissez-moi vous conter l'une des nombreuses aventures des fantômes. Méfiez-vous, monseigneur. Allons-y, Nobu.
Sa voix résonne encore en moi. Est-ce que ça va? Connaissez-vous Guyozen, le conteur de légendes aveugles? Oh oui. On dit qu'il est plus qu'un humain ordinaire. Plus ou moins. Ses histoires me fascinent. Mais sa voix, elle n'est pas de ce monde. Connaissez-vous la légende des esprits de feu de Yarikawa? J'ai fui avant qu'ils finissent, mais j'aimerais savoir la fin de l'histoire. Oh, je peux vous la raconter. Je ne suis pas Gyozen, mais je ferai de mon mieux. Vraiment? Oh, merci. Comme vous le savez sûrement, Iyo, l'Onibaba, avait donné naissance à une armée inhumaine. Le lien entre Iyo et Tsushima ayant été rompu, les héros parvinrent à repousser l'Onibaba dans son royaume et à l'arrêter une fois pour toutes. Quel conteur vous faites! Votre description de la rage d'Iyo... Oh, et l'ultime assaut des guerriers, c'était grandiose. Acceptez ce cadeau, en remerciement. C'était un plaisir.